je sais que vous êtes chargé de travailler pour la cause des langues étrangères. Et vous avez bien fait de nous parler de Don Guéranger, qui est tout de même le restaurateur de la vie bénédictine, du monachisme, du point de vue bénédictin, mais aussi quelqu'un qui pense donc à restaurer l'ordre bénédictin et en même temps qui envisage aussi la restauration du chant liturgique, parce que ceux qui l'écoutaient, ils savaient que ce n'était pas possible, de chanter comme ça. Donc, il s'inscrit aussi dans cette restauration, comme vous avez très bien souligné, du chant liturgique. Merci de nous rappeler cette figure capitale. Alors, Don Guéranger, à part commencer Solesmes pour restaurer la vie bénédictine ou pour restaurer le chant urien, c'est qu'il a commencé à vivre la vie bénédictine et puis il se trouve que ça a été une restauration. Mais quand il a commencé à 28 ans, il ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait toute une descendance qui viendrait de lui. De même, la réforme liturgique et la réforme du chant, il n'avait pas prévu que Saint Pie X, 50 ans plus tard, ferait un motu proprio imposant le chant urien à toute l'Église et que les idées de Don Guéranger pourraient aussi avoir une fécondité immense grâce à Saint Pie X. C'est après coup qu'on peut voir ça. Mais sur le moment, le travail de Don Guéranger était un travail essentiellement liturgique. Il est aussi entouré de son ami le chanoine Gontier. Alors, Chanoine Gontier l'a aidé au niveau musical, hein, c'est sûr. Alors, ça, à mon sens, c'est une deuxième étape qui est l'étape de la restauration du grégorien. Et Chanoine Gontier, à côté de Don Guéranger, le premier point, la première cellule de travail, hein, avec ensuite Don Josion et puis Don Potier. Mais Don Guéranger, sa réforme, elle touche d'abord la liturgie, mais elle est essentielle aussi pour le chant, parce que pour lui, le chant fait partie intégrante de la liturgie. Ce n'est pas une addition sur ambulatoire ou surnuméraire ou étrangère plutôt. Ce n'est pas une addition surnuméraire et étrangère. La liturgie doit être chantée parce que c'est comme ça que s'exprime le mieux la prière des fidèles. L'Esprit Saint est en nous, l'Esprit Saint est dans l'Église, l'Esprit Saint nous met dans l'amour dans notre cœur et cet amour nous fait chanter. Et donc la liturgie doit être chantée et non pas, comme on pense souvent dans le sens contraire, on chante et on espère que la liturgie sera plus belle. Ce n'est pas du tout la perspective de Don Guéranger. Et alors, à partir du moment où Don Guéranger réforme la liturgie, eh bien le chant est par soi-même réformé aussi. Là, tout de suite, j'ai vraiment envie de vous convier à une prochaine rencontre pour parler de la spiritualité du chant grégorien. Là, vous me donnez vraiment envie de vous proposer cela. Si Dieu le veut, peut-être une prochaine fois. Nous verrons bien. Et j'ai envie aussi suite à ce que vous avez dit sur la diversité, les variantes, il est certain que la même version partout était fort difficile, mais il y avait quand même une grande uniformité. Le Concile Vatican II, tout de même, a explicitement demandé une édition magis critica, donc une édition plus critique. Et là, c'est là que la figure de Eugène Cardine, et puis la sémiologie grégorienne, l'étude de la sémiologie grégorienne, nous a permis d'aller aux sources, de creuser, de chercher une version mélodique plus pure, plus fidèle à l'origine. Aux sources. Dans quelle mesure cette édition Magis Critica, l'apparition du Graduale Novum et ses études, surtout des disciples dans le Jeune Cardine et puis au sein de l'Aïsgré, ont permis de travailler dans le bon sens vers retrouver ce champ d'origine? Je suis tout à fait favorable à ce genre de travaux. Bon, alors, est-ce qu'ils sont mûrs? Ça peut se discuter, mais je suis tout à fait favorable. C'est sûr qu'il faut remonter à l'origine. Alors, ce n'est pas de l'archéologisme, c'est de revenir à ce que nos pères ont voulu. Et ce qu'ils ont voulu, ça devait être bien, puisque ça a traversé les siècles, 12 siècles, donc ça veut dire que leur création était bonne. Et je pense que revenir à l'origine, c'est revenir à un idéal qui était un idéal spirituel, pas simplement musical ou esthétique. Et notre travail, pour revenir à la version Magis Critica, ce n'est pas d'archéologisme, ce n'est pas d'esthétisme, c'est une fidélité à un point de départ artistique et spirituel qui est à la fois
spirituel et artistique qui est notre modèle et auquel on doit se soumettre. J'ai envie de vous demander, tout à l'heure, vous avez parlé du rythme, vous avez parlé de la notation. À quel moment nous commençons à perdre de vue l'essentiel, puisque vous avez parlé des restaurations, il y a un moment où il y a aussi le début d'une décadence. Pourriez-vous nous en dire? Dès qu'une cellule humaine est fécondée, le vieillissement commence. Alors le chant grégorien, dès qu'il a été composé, le vieillissement commence parce que y a le jet initial, la natif qui est pur, et très vite, on est obligé de le répéter, de le transmettre, et il y a certainement un vieillissement. Alors, c'est sûr qu'au IXe siècle, devant la richesse culturelle de l'Europe, on a eu des tentations de mettre en relief plutôt la musique, et donc mettre au second plan ce qui était le génie du chant grégorien, c'est-à-dire le texte. Et donc, il y a une certaine décadence, et on voit bien dans certaines mélodies nouvelles du IXe siècle, et qu'on n'a plus le génie de toute la pureté, toute la finesse du chant des origines grégoriennes de 765. Et alors, cette décadence-là va se maintenir d'une certaine façon, petit à petit, au cours des âges, et apparaît à la fin du IXe siècle les premiers manuscrits. Alors les manuscrits, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont à la fois des conservateurs des mélodies, conservateurs de beaucoup de caractéristiques du grégorien, mais aussi ils fixent un tas de nuances qui ne peuvent pas être fixées, ou ils cherchent à fixer des nuances qui ne peuvent pas être fixées. Et alors cette notation est un double tranchant, elle peut être aussi une mise en quatre, corsetage, peut dire, de la mélodie. Et c'est ce qui s'est passé, on peut le dire, au cours des siècles. Alors, le premier, le personnage majeur dans cette affaire-là, c'est Guy d'Arezzo, qui, vers 1050, met au point une notation avec des cordales et qui fixe la mélodie d'une façon très claire. Alors qu'avant, les notations étaient systématiques, c'est-à-dire qu'elles ne donnaient que le nombre des notes et leur position relative, mais ne donnaient pas la exact. Alors, on n'avait pas les notes exactes, mais on avait le rythme. Et c'est à partir du milieu du XIe siècle où la rythmique se perd beaucoup. Alors, pas complètement, puisque j'ai dit qu'on avait maintenu un certain nombre de données, et que à travers les siècles, on peut maintenir le maximum de données, mais il n'empêche qu'il y a une usure, surtout au niveau du rythme des mélodies grégoriennes. Guy d'Arezzo, dans son prologue de son ouvrage Micrologus, nous parle il fallait 10 ans pour un chanteur pour apprendre l'ensemble du répertoire des mélodies. Donc 10 ans, compte tenu de l'espérance de vie de l'époque, c'était quand même un chanteur, on sait bien, le chanteur faisait partie de l'élite du monastère. Donc 10 ans, ce n'est rien, comme on dit en français. Ce n'est rien. Et donc, cette volonté d'un peu alléger la mémoire, puisque les chantres n'avaient pas de livre, on parle de la recordatio, juste pour mise en mémoire des mélodies, mais il n'y avait pas de répétition. Ils savaient, ils connaissaient, ils étaient dans la tradition. Mais 10 ans tout de même, c'est beaucoup de temps. Donc, cette volonté de fixer la mélodie pour alléger cette charge de mémorisation a entraîné, comme vous avez bien dit, le début de la fin, des nuances, de ce rythme, de la mélodique verbale qui est l'essence du chant grégorien, cette symbiose entre le texte, la parole divine, mise en musique. Ce serait pour moi une des définitions du chant grégorien.